chorégraphie. Donc elle est de niveau novice, novice plus. La chorégraphie, c'est un titre français pour une fois, elle s'appelle « J'envoie en l'air ». Alors c'est « J'envoie en l'air », ça veut dire « J'envoie tout balader okay ». Pas autre chose. Okay. Donc la chorégraphe, c'est aussi une chorégraphe française. Elle s'appelle Séverine Moulin. C'est moi. Voilà. Donc je l'ai écrite forcément sur le titre d'une chanteuse française. Tout est français. La chanteuse, elle sera en concert au Billy Box à l'occasion du Festival Country qui aura lieu au mois d'avril. Il y aura un Festival Country de soir, vendredi et samedi. Donc pour le samedi 25 avril, donc vous aurez la chanteuse Sophie Tapie qui sera ici en concert. Donc pour cette occasion, j'ai écrit une chorégraphie sur un de ses titres, donc qui s'appelle « J'envoie en l'air ». Voilà. Donc, la chorégraphie. N'ayez pas peur, elle a deux parties. Partie A et partie B. Mais j'ai fait des pas simples, ok? Si je l'appelle novice, c'est que c'est pas inter, ok? Donc c'est vraiment novice. Donc c'est des pas simples qui se répètent. Donc la partie A, elle fait 48 comptes. Les pas se répètent, je rassure. Il y a deux fois la même chose. Partie B, 32 comptes. Ok ? Pareil, les pas se répètent. Il y aura un tag aussi. Pareil, ça se répète. Donc n'ayez pas peur, c'est simple. Ok ? C'est faisable. Donc partie A, partie B. Pourquoi ? Parce que ça colle vraiment à la musique. Partie A, c'est vraiment le couplet. Partie B, c'est vraiment le refrain. Et vous verrez, c'est une musique qui est très festive. Et donc le refrain, c'est très festif. Et donc on y va un peu plus fort que la partie A. Ok ? Ça va ? Vous êtes en forme ? Vous êtes prêts ? Bon ! Alors on va commencer avec la partie A. Donc c'est parti. On est poids du corps sur la jambe gauche. On va faire un weave avec un tour complet. Ça forme un 8. Vous savez ce que c'est ? Donc je vous le fais. Ça fait côté. Derrière, quart de tour, pied droit devant, pied gauche devant, pivot demi-tour, quart de tour, pied gauche à gauche, là on a fait en temps compté, pied droit derrière, et le huitième compte, on va faire un quart de tour à gauche. Donc ça fait un tour, un quart. Ok ? Je vous embête. Hein. On recommence. Donc pareil, le 8, avec un tour, un quart, pied droit à droite, pied gauche derrière, quart de tour, pied gauche devant, demi-tour, quart de tour, derrière, quart. Encore. Avec les comptes. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va ? Encore une fois. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on est poids du corps à gauche. Ensuite, on va poser le pied droit à droite. Pose. On rassemble. Pied droit à droite. Touch. Je vous le fais à midi. Donc là, on est des poids du corps à gauche, ça fait 1, 2 et 3, 4, ok ? Droite, pose, rassemble, droite, touch. Exactement pareil à gauche, gauche, pose, rassemble, gauche, touch. Avec les comptes, ça fait 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, ok ? Donc on va le faire face à ce mur-là, on est poids du corps à gauche, on part à droite, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Ça va ? Encore une fois, même chose. 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Depuis le tout début. Donc le weave avec un tour complet. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Encore au début. On part à droite. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Donc là, on a fait 16 comptes. Ces 16 comptes-là, on va refaire exactement la même chose. Donc les 16 comptes, on les refait une deuxième fois. On va faire un weave avec un tour complet, toujours un tour, un quart. On est là, on va arriver là-bas, ok ? Donc pied droit à droite, pied gauche derrière, quart de tour, pied gauche devant, demi-tour, quart, derrière, quart. Pareil, donc on va à droite, droite, pose et droite, touch, gauche, pose et gauche, touch. Ça va ? On a fait 32 comptes. On va le refaire depuis le début. Donc on fait 2 fois 16 comptes, ok ? On y va, le weave. 7,
8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8 encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Ensuite, donc la partie A n'est pas finie, on va faire un rocking chair, donc rock droit devant, rock step droit derrière, ensuite on pose le pied droit devant, on pivote d'un demi-tour, on déploie du corps à gauche, on avance pied droit, on avance pied gauche, marche, marche, ok? On va reprendre le rocking chair, face à 6 heures, poids du corps à gauche, donc rock step droit devant, rock step droit derrière, le pied droit devant, demi-tour, marche, marche. Maintenant on va le faire avec les comptes, rocking chair, poids du corps à gauche, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8 comptes et la partie A est finie. On refait une rocking chair, rock droit devant, rock droit derrière, ensuite ça change un petit peu, pied droit à droite, touch, à gauche, touch. En même temps que vous faites les touch, on tape des mains, touch et touch, ok? Je repars du rocking chair droit, 7, 8, rock devant, rock derrière et droite, touch, gauche, touch. Ça va? La partie A, elle est finie. On va reprendre juste la fin, rocking chair face à 6 heures, rock devant, rock derrière, on y va, 7, 8, rock devant, rock derrière, pied droit devant, demi-tour, marche, marche, rock devant, rock derrière, à droite, clap, à gauche, clap. Ça va? On va recommencer depuis le tout début, donc le wheel, ok, qu'on fait deux fois, hein. On y va. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, rock devant, rock derrière, step demi-tour, marche, marche, rock devant, rock derrière, à droite, touch, à gauche, touch. Ça va? Alors j'ai pas précisé, elle fait qu'un seul mur. Chaque fois on arrive toujours à midi, ok? Donc j'ai fait ça. Donc la partie A, elle est finie. Ça va? Bon. Maintenant la partie B, elle fait 32 coups. Alors, toujours poids du corps sur la jambe gauche. On va faire deux pas chassés en avant, légèrement en diagonale. Pas chassé droit, pas chassé gauche. Là on est poids du corps à gauche. Après on recule de 4 pas, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Ok, je le refais. 7, 8, pas chassé, pas chassé, et back, 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 back. Ça, on le fait deux fois. Pas chassé, et on revient. 7, 8, 1 et 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. Ça va? On a fait la moitié de la partie B. On refait. 7, 8, 1 et 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. On reverra, la choré est très festive, donc la partie B en tout cas, donc on aura vraiment envie de bouger. Donc on aura envie de mettre les mains, comme si on voulait faire la fête. Donc ça fait 1 et 2, 3 et 4 et 5, je vous le fais comme ça, vous verrez. 1 et 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. C'est plus sympa. Ok? Donc, on le refait encore. 7, 8. 1 et 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. On est poids du coup à gauche. Rolling by à droite. Quart, demi, quart, touch. En même temps qu'on fait touch, on tape des mains. Ok, je le refais. Poids du corps à gauche. 7, 8, quart, demi, quart, touch. Pareil à gauche, rolling vine. Quart, demi, quart, touch. Avec les comptes. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 derniers comptes. Pas chassé à droite. Back rock. Pas chassé à gauche. Back rock. Partie B, fini. Ça va? On va prendre juste les 7 derniers comptes. Rolling vine, 7, 8, quart, demi, quart, touch, quart, demi, quart, touch, pas chassé, back, rock, et pas chassé, back, rock.
Maintenant, toute la partie B en entier. Donc les deux triples en avançant. 7, 8, 1 et 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas chassé, back, rock, et pas chassé, back, rock. Ça va ? Alors, la partie B, quand on fera la partie B, la première fois on fait la partie B, au verre, on la fait deux fois. En fait, on fait A, B, B, A, B, B, A, B. À la fin, on fait le B qu'une seule fois. Ok ? Donc A, B, B, A, B, B, A, B. Au milieu de tout ça, il y a un tag. En fait, ça fait A, B, B, tag. Ok ? A, B, B, tag, A, B, B, A, B. En fait, on fait à chaque fois le B deux fois, sauf à la fin, la musique s'arrête, donc on s'arrête. Ok ? Alors, on va d'abord refaire la partie A pour ne pas l'oublier. On va refaire A, B, et après je vous montrerai le tag, qui vous en faites pas avec tout ça. On y va. Le wheel, ça va ? Tour complet, le wheel. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, droite, pause et droite, touch, gauche, pause et gauche, touch, weave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, droite, pause et droite, touch, gauche, pause et gauche, touch, rock devant, rock derrière, step demi-tour, marche, marche, rock devant, rock derrière, à droite, touch, gauche, touch, ça va ? On refait encore la partie A, ok ? On y va. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, droite, pause et droite, touch, gauche, pause et gauche, touch, rock devant, rock derrière, step demi, marche, marche, rock devant, rock derrière et droite, touch, gauche, touch. Maintenant, on va faire deux fois la partie B, ok ? 2B. Triple. 7, 8, 1 et 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. Trois lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas chassé, back, rock, pas chassé, back, rock devant. Triple step, triple step et back, 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 back. Triple step, triple step et back, 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 back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Peur de numéro 1. Ok, ça va et vous retenez. Donc le tag, ça fait A, B, B, tag. Donc le tag, il est juste après les deux premiers B. A, B, B, tag. Après, on reprend A, B, B, A, B. Ok ? Le tag. Donc, à la fin de la partie B, donc partie B, on fait triple step, back, rock. Triple step, back, rock. On est poids du corps à gauche. On fait droite, touch, talon, touch, droite, touch, talon, touch, droite, touch, talon, touch, droite, touch, talon, touch. Avec les comptes, il y en a 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va ? Et pour ceux qui sont bien coordonnés, 1, 2, pardon. Moi aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que c'est festif. Après, vous le faites ou vous le faites pas, je sais que c'est pas facile de coordonner les pieds et les jambes, même si vous y arrivez. Donc j'en fais le tag. Donc on part à droite d'abord. 1, pardon. En fait, vous partez à droite, vous tendez les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va ? Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est option. Ok, c'est une option si vous y arrivez. C'est bon ? Donc vous faites bien les pieds. Donc droit d'abord, droite, touch, talon, pointe, gauche, touch, talon, pointe, droite, touch, talon, pointe, gauche, touch, talon, pointe. Et après c'est parti A, après le B c'est A. Donc on reprend weave. Ok ? Alors ce que je vais faire, on va juste faire la fin du B, le tag et le début du A. Donc ça c'est pour l'enchaînement. Donc la fin du B, c'est pas chassé à droite. 7, 8, pas chassé, back, rock, pas chassé, back, rock, droite, touch, talon,
pointe droite, touche talon, pointe droite, touche talon, pointe droite, touche talon, pointe wheel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va? Bon, vous l'aurez fait plusieurs fois, c'est grave. Donc partie A, deux fois B, le tag, et après A, B, B, A, B. Ça va? On essaye en musique? À chaque fois, on revient sur le midi, hein, vous avez vu? Alors, on verrait pour l'intro.